Hugo ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ils ont fait pour retrouver mon adresse ? Hugo ! Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde, Issa. Ils sont venus, ils ont fouillé chez moi, ils ont retrouvé mon appartement. Ils me traquent. De quoi tu parles ? Qui te traque ? Mais ils m'ont retrouvé, ils sont au courant par rapport à ça. Non, mais encore tes conneries de secte. Mais je t'ai déjà dit de laisser tomber. C'est des histoires, tout ça. Enfin... Regarde-toi, t'es en pleine paranoïa! Mais ils existent, regarde, toutes les preuves sont là et ils veulent les faire disparaître! Ils veulent me faire disparaître! Non, mais tu t'entends? Mais on dirait un dingue, mais sérieux, va te faire soigner! Ça fait des semaines que t'es plus le même. Que tu dors plus, que tu manges plus. On était censé partir en week-end en amoureux la semaine dernière et tu n'es jamais venu. Plus de nouvelles. Non mais, franchement Hugo, comment tu veux que notre relation elle évolue si tu t'enfermes dans des lubies qui te rendent parano ? Hugo, je te parle ! Samedi, je dois retrouver le professeur Lazarus. C'est le seul qui va pouvoir m'aider. Tiens, cache ça ici. Il faut que je me fasse discret. Je ne rentrerai pas dans tes délires, Hugo. Mais je t'en prie, Lisa, fais-moi confiance. Ça va aller. Je te contacte après ça. Que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Oui. Bonjour, je cherche Hugo. Hugo ? Oui, Hugo, mon copain. Il habiterait ici ? Bah oui. C'est pas possible, mademoiselle. On est bien au deuxième étage, rue de Saverne ? Oui. Bah alors, si, il habite ici. Mais non, mademoiselle, ça fait des années que j'habite ici. Il faut que je lui parle, c'est important, j'essaie de l'appeler. Vous vous trompez, mademoiselle, c'est pas possible. Vous faites erreur, c'est pas ici. Désolé. Pardon.
Nissa, c'est toi ? Hé, hey, salut, ça va ? Bah, Lisa, ça va ? Tu m'as pas l'air d'aller bien. Non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est Hugo ! Je suis allée chez lui tout à l'heure, il y avait... Enfin, je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, mais attends, c'est qui, Hugo ? Hugo aussi, mon copain. Non, je vois pas. Tu m'avais jamais dit que t'avais quelqu'un ? Bon, écoute, je vais devoir y aller, je peux vraiment pas faire autrement, mais tu m'as vraiment pas l'air d'aller bien, donc tu m'appelles tout à l'heure quand tu rentres chez toi, d'accord ? N'hésite surtout pas. Oui. Bon, allez, j'y vais. Salut.
Lazarus, je vous en prie, aidez-moi. C'est très grave ce qui se passe. Vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Commencez par vous asseoir. Respirez et calmez-vous avant toute chose. Que faites-vous là? C'est très grave ce qui se passe. Hugo a disparu. Je sais plus quoi faire. Je me sens complètement perdue. Vous devez m'aider. Racontez-moi calmement pourquoi vous êtes venu. Hugo a disparu. Il n'y a plus aucune trace de lui. C'est comme si plus personne se souvenait de lui. Il travaillait sur une genre de secte ou je sais pas quoi. Un truc qui parle de martyrs et d'harpies et d'autres trucs bizarres comme ça. Mais tous ces trucs bizarres, c'est du délire, n'est-ce pas? Ça peut pas être vrai. Et puis tous ces gens qui ont oublié Hugo, c'est trop étrange. Je crois que je suis en train de devenir folle. Ouais, c'est ça. Je crois que je suis en train de finir tarée. Madame. Mais je suis pas folle. Puisque vous, vous existez. Hein, vous existez. Vous faisiez vos recherches avec Hugo, du coup. Tous ces trucs de secte, ça doit être vrai, finalement. Dites-moi que c'est vrai, je vous en supplie. C'est finalement le plus logique. C'est pas possible autrement. Madame, j'ai effectivement aidé Hugo dans son travail de recherche. Mais c'était il y a longtemps. Nos recherches portaient sur les sectes chrétiennes du 1er siècle. La discussion était purement historique. Madame, la secte que vous évoquez n'existe pas. Et alors comment il aurait disparu tout d'un coup? Et surtout en me disant qu'il se sentait en danger. Et il m'a dit que c'était à cause de vos recherches et... Il m'a dit qu'il devait vous rencontrer samedi. Vous allez pas me dire que ça aussi, je l'ai rêvé. Il vous a dit qu'il devait me rencontrer samedi. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'il m'a dit, putain! Pardon? Mais je vous en prie, aidez-moi. Moi aussi, je suis en train de me faire piéger. J'ai l'impression que des gens me surveillent. Qu'ils ont accès à mon logement, qu'ils effacent... toute trace d'Hugo et je suis la dernière à me souvenir de son existence. Je sais que ça paraît fou, mais j'ai même l'impression qu'il s'immisce dans mon esprit. J'ai peur.
Je suis là pour vous aider, Elissa. Vous avez raison, vous êtes en danger, tout comme Hugo. Je n'ai pas d'autre choix que de tout vous raconter. Béthanie est un village de Judée où vivaient Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. Un jour, Lazare tomba malade et mourut. Il fut enterré au sein d'un profond tombeau scellé par une pierre. Jésus arriva à Béthanie, la pierre fut enlevée, puis Jésus cria très fort « Lazare, sors de là !» Et Lazare sortit, le visage enveloppé d'un linge. C'est ainsi que Lazare ressuscita. Désormais, son état s'approchait de celui d'Adam et Ève. Son corps et son âme n'étaient plus soumis à la corruption des passions. Il rédigea une épître à ses descendants afin qu'ils puissent également atteindre cet état supérieur. D'après Lazare, pour s'élever, il faut frôler la mort. Mais au fur et à mesure des générations, nombreux furent ceux qui tentèrent de trouver des raccourcis moins risqués. Alors ils décidèrent d'enlever d'autres êtres humains pour les torturer, les rendre malades, dans le but d'en faire des martyrs. Des martyrs auxquels on peut voler leur élévation en buvant leur sang. Ils les firent disparaître du monde, effaçant toute trace de leur existence. Lazarus est mon nom. Avec ma sœur et mon frère, nous sommes les descendants directs de Lazare et à ce titre, nous étions les dirigeants de la famille des Lazare. Marthe, notre sœur, choisit de devenir elle-même une martyre et de partager avec nous son élévation. Prêt à tout, Charles l'a soutenue dans sa décision. Je ne l'ai pas approuvée, mais j'ai respecté son choix à contre-cœur. C'est pourquoi je l'ai accompagnée tout au long du processus. J'ai essayé. J'ai essayé de la sauver en pansant ses plaies avant qu'il ne soit trop tard. En vain. J'ai haï mon frère pour l'avoir encouragé. J'ai donc quitté les Lazare. Toute cette folie devait s'arrêter. Malgré mes mises en garde très fermes, Hugo a décidé de persévérer pour connaître la vérité. Mais votre ami doit être toujours en vie. Ils vont lui faire suivre le processus d'élévation, afin qu'il devienne le prochain martyr. Le rituel final ne se déroule qu'une fois par an, le jour qui célèbre l'arrivée des reliques de Saint-Lazare à Constantinople, c'est-à-dire dans 2 jours. Et je sais où ça va se passer.
Hugo. Hugo, c'est moi. Non. Non, Hugo. Bonjour Lisa, comment allez-vous? Professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Le rituel, la forêt, Hugo! Mais Lisa, rappelez-vous, nous en avons déjà discuté ensemble. Et vous le savez très bien. Quoi? Lisa... Hugo s'est suicidé il y a plusieurs années. Mais vous le savez, ça Lisa. Suicidé? Mais non, c'était hier, je me suis même... Lisa, vous faites une rechute. Ce n'est pas grave. Restez calme. Je suis là pour vous. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais faisons en sorte que ce soit la dernière. Je vais vous aider, Lisa. Je pense qu'il faut que nous avancions notre prochaine séance. Vous avez l'air d'aller mal. Êtes-vous disponible demain ? Lisa. Lisa, vous êtes là? Thank you.